2 000 km pleine balle sur piste. Hein. La dernière fois que je fais ça, c'était, je crois, il y a plus d'un an, ou 2023. Timo, Timo, moi je vais avoir un lièvre de compétition. Bon, il est débutant, mais ça va pas. C'est l'allure qui doit tenir tout le long. Pour juste un tour de chauffe. Ça va être barbare. 18-30. 18-30, ça l'étape. 5 km. Stressé? Moi je le suis pour toi là. Je suis un peu stressé. Mec, là je suis stressé, mais genre vraiment gros. C'est vrai? T'as rien à faire? Putain. Combien? C'est quoi ton meilleur, ton record? Ton record? 25 secondes. Allez Lucas! Bon courage! Allez Lucas, faut dire! Ouais! Les Lucas! Que des fans, toujours les femmes hein. Quel charron celui-là. Lulu carrément. Lulu. Ce mec, hein. Allez, deux tours, c'est ça, ouais. Allez, c'est rien. Je suis stressé pour lui, frère. Allez, le dernier, tu te fumes, mon gars. Je te fume. Allez, le dernier, là. Allez, allez, gars. Allez, tu vas le chercher. Je vais passer sur les 18. Là. Non. Si. Ah, c'est chaud, hein. Allez, Lucas, allez, tu t'arraches. Ok, objectif 18-30. Allez. Mec. Allez Lucas, allez. Allez, on sprint. Allez, fonce. Allez, sprint. C'est pour My Protein. Ouais. Allez. Putain. Ouais. 17,58. Moins de 18. Wow. Moins de... Il a vu la mort. Mec, magnifique. Merci mec. Ah bravo. Merci mec. Bien joué, franchement incroyable. Ouais. Moins de 18 minutes. Attends, bouge, monte le chrono. Moins de 18 minutes. Ouais. Attends, bouge pas. 18,58. Il a pas l'air si mort que ça en plus. Incroyable. Mec, incroyable. Allez, masterclass. Merci mec, vraiment. Donc voilà, verdict. Sub 18 minutes, je pensais pas honnêtement mon ancien record, c'était il y a 2 semaines. Quoi? Il y a 2 semaines, j'ai fait 18 minutes 55. Et là, 17 minutes, je sais pas exactement. Sub 18 minutes avec un lièvre de niveau interrégional apparemment. Donc ouais, ça fait plaisir, hein. On va continuer de s'améliorer et il m'a dit que c'est plutôt près des 39 minutes sur 10 km, donc c'est incroyable, on verra ça bientôt je pense. Ah. Le move c'est vraiment de partir à 3,14 et de survivre sur un 5 km. Moi que tu me dis tous les records c'est comme ça qu'ils se font, genre ils partent trop vite et miraculeusement ils arrivent à tenir. Je crois que niveau expérience de la course c'est un pas à vivre. Le 5K c'est vraiment le pire hein, dans la course de demi-fond. Je crois. Ouais. Enfin je sais pas, 10 quand même. Ouais. Je sais pas. Tout quoi. Faites vu comme ça oui finalement. Là je vais faire 3 km, après bah oui, je change de chaussure. Ok. Je fais des accélérations. Ah. Et après. Ça va être tendu, les amis. Méga hausse. En fait, t'as rien à perdre là. Là, c'est juste pour voir la forme. C'est ça. T'as vraiment rien à perdre, genre. T'as rien à perdre. Dans tous les cas, même au semi, t'avais rien à perdre, donc c'est pas. Wesh, le monde, c'est une dinguerie. Hein. On a tout là. Allez.
j'espère qu'ils vont libérer le couloir. Je pense pas trop à ça en fait. Mec, je te jure, ça va me saouler. Ouais, je comprends, mais en vrai, genre, maintenant que c'est. Maintenant que tu y es, genre, tu peux. C'est pas un truc sur lequel t'as le contrôle. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, en vrai, ouais. Ça t'apporte rien. Tu vois? Autant penser direct à. Putain, je vais courir vite et ça fait plaisir. J'espère faire moins de 16. Moins de 16? 45. Non, 16, c'est un peu. Moins de 16,45? Mec, ça me paraît tellement sûr, dur, mec. Non, c'est sûr. Déjà, si tu fais moins de 17, franchement, une minute en un an, c'est carré. Et avec du monde sur la piste aussi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je vaux beaucoup moins de 17, parce que ça, je pense. Ouais, je pense que tu vaux 16,30, tu l'es fait large, je pense. Ouais, ça sera bon. Je sais pas. Franchement, j'ai aucune idée. De toute façon, faut pas spéculer, faut être dans l'instant et. Il faut juste que je batte mon RP qui est de 17,22. Ah ouais, quand même. Mais c'était sur un 10 km. Et là, sur semi, j'ai fait 2-5 km en 17,30. Ah putain, c'est une dinguerie hein. Ouais, ouais, ouais. Et là, depuis la reprise de semi, tu te sens bien niveau... Putain mec, je pensais que j'allais moins m'entraîner. Que nini. Que nini. Mon coach m'a laissé 2 jours de repos. 2 jours où je pouvais littéralement pas courir à cause des courbatures. Ah ouais. Mais après mec, bam, re 70 km la semaine, là 5 km. La semaine prochaine, grosse semaine d'entraînement. Et après 10 km. Putain. Je vais faire 3 normalement, je croise les doigts mais... 3 RP en 1 mois, enfin en 4 semaines, ça fait plaisir. Ferme tu prends là. Chrono ? Ouais. Alors sachant que l'objectif, c'est 16 minutes 10. Moi, je te dirais qu'avec le monde, on pourrait à un moment se dire que tu vas faire 16-17, mais je dirais 16-08. Là, il y a du monde après de fou, ouais, c'est chaud. Parce que tu vas avoir déjà, des zigzags. Déjà, sur une piste de base, vu que j'ai jamais taffé la dernière 5 km et tout, je me dis que jamais j'y arrive. 16-14. Fin. Ok. T'es satisfait à 16-14 ? Ah ouais, mec. Bah ouais. C'est quoi où tu te dis, ah, pas ouf ? Au-dessus de 16-45, je pense. Genre plus loin. Ok. Mais le reste, je suis bien content. T'es à combien pour ce petit échauffement, Lucas ? On fait un peu un progressif. Ça intéresse les viewers. Parce que là, il faut faire monter le corps. Le cœur assez rapidement. Et du coup, tu dirais que t'es sur une fourchette progressive de combien ? De 5,20 à 4,45. C'est fou, ça. Ouais. Je vais avoir un peu plus rapide sur la fin. Tu pourrais faire mon record sur 10K en parlant, mec. Tu pourrais le faire en footing. Waouh, il a sorti le singlet. Vas-y mec, je passerai de là-bas là et je fais et là 12 tours et ça sera fini. Ok. 12 tours et demi en tout. Ouais. Ah t'as pas précisé ce qu'on faisait là. Mais non, c'est pas grave. Je fais des descents et après je cours là-bas. Monsieur Murciani. Vous avez perdu de vue. T'as l'air désolé, limite. T'as dit bon, c'est bon, j'ai fait mes accélérations, on peut rentrer. Bah, de toute façon, on va le faire là. Hein. Bah, écoute. Vas-y. Bon, bah, je vais là-bas et let's go. On est obligé de prendre ça en compte, hein, c'est tout. Hein. Non, pas d'excuse. Ah, c'est la phase plutôt difficile. Ah, bah, il y a tellement de monde aujourd'hui. C'est abusé. Ouah, la fusée. Terrifiant comme allure, vraiment. Allez, Lucas. 1,5. C'est la fusée. C'est une fusée. En fait, vous vous rendez pas compte en vidéo, je pense. Enfin, on se rend pas compte. On dirait que je fais des accusations. On se rend grave pas compte en vidéo, mais c'est une fusée, putain. Il vole. Allez, 7 minutes encore. J'ai essayé de faire une phrase un petit peu de motivation, je pense, mais c'est dur de faire des phrases de motivation. Allez Lucas, le dernier kilomètre, il compte jamais, vas-y. Tu crois qu'il va le faire, hein. Allez, phrase motivation peut-être, 2. C'est maintenant que tu vas gagner des secondes, n'en perds pas. Il va me prendre pour un ouf. Franchement, il est dans un effort, il voit tous les démons du monde, là. Bien facile de donner des phrases comme ça. Il va lui rester que 2 tours, là, je pense. Il ralentit un petit peu. Allez, donne tout, là, c'est maintenant. T'as le nombre de zigzags qu'il a dû faire. Ouh, il accélère, là. Oh là là, il accélère. Allez, jusqu'au bout. Ah oui, c'est 12 tours et demi, putain, je suis con. Oui, c'est cool. Ça, j'avais oublié, c'était 12 tours et demi, le con. Oh, mec, je suis KO, mec, c'est incroyable. 16-27. C'est bien, mais...
t'as dû faire tellement de zigzags. Oh mec, c'est mon mental mec, j'ai pas de mental. Non, non, mais gros, entre le vent, ouais, ça va. On voit d'ailleurs. Oh. Franchement c'est bien. 27. La montre elle me dit 3-14. Elle dit 3-14. Mais j'ai fait un peu plus. Donc c'est raté mais... Selon la montre. Mec, je crois que j'ai pas donné mon max. Enfin, je sais pas, parce que là, 10 minutes après, tu te dis. Pour moi, c'est une excuse un peu chiante, mais gros, t'es mal au monde. Franchement, ça allait. J'ai dû doubler genre 10 personnes, max. Je pensais que ça allait être plus dur. C'était hardcore. Vous voyez la comparaison entre toi et le reste là. T'avais des petits zigzags parfois, du coup, ça te fait stopper et relancer, etc. Franchement, c'était moins pire, je pense. C'est pas comme si t'avais perdu une minute, hein, tu vois, à pas faire les forceurs. Mais... Ah ouais, 14h30 en vrai. Hein, moi, je pense que c'est 13, donc. En vrai, je dis ça, je dis rien. Mais franchement, non, grave bien. C'est bizarre quand même, Farm. Le premier kill, je le fais en 3-12, donc trop rapide. Après petit à petit, j'ai ralenti et tout parce que c'est les jambes. Les jambes, j'ai pas de force dans les jambes. Enfin, pas de puissance dans les jambes. Ouais, c'est tellement bizarre comme effort. Mais bon, en vrai, non, je suis content, moi, je voulais faire moins de 6,45. Si on fait des équivalences pures sur giga. Ouais, mais je pense que je suis moins fort sur 5 que sur semi. Je suis plus endurant que rapide. Donc, ça vaut combien sur 10? Sur 10, ça vaut 34,07. Je dis oui tous les jours. 16,27. Ouais. Genre, j'ai mis 16,27, 10,3,17 de moyenne. Ouais, sur, équivalent. Équivalence sur 10, c'est 34,07. 3,25. Ouais, c'est ça, en gros, je pense. Hein. Et sur semi, 1,15,22. Exactement ce que je fais. Ah, donc je suis pareil. Ah, t'es pareil. Mec, je vais me faire du 800. Hein. Okay. Non, mais c'est parfait. Pas mal, mec, pas mal, en vrai. En gros, une fusée. Il y avait un soleil là. Ah ouais. J'étais comme ça, j'étais dans un film et tout. J'ai l'impression d'être dans le tunnel. Oh seigneur mec. Mais en vrai tu vois, sur le moment c'est hardcore, t'as envie d'arrêter et tout. Mais genre 3 minutes après t'es bien. Comparé à un semi. Bon après j'ai pas eu le contre-coup encore mais. J'ai l'impression de pas savoir courir à cette allure. Genre ta forme elle est pas encore bien. Je suis pas détendu du tout. Tu sais, ça paraît si tranquille hein. Ouais mais dans, je le sens que genre. Ouais t'es. Peut-être c'est pas bien dans ton corps. Alors que l'allure semi, 10, ça va. Mais genre semi, tu vois, je me sentais vraiment détendu de fou, tu vois. Mec, en vrai, pas mal, pas mal. Non, franchement, grave pas mal. Et ça vaut pas 16-10. Ça vaut pas 16-10, même s'il y avait eu personne sur la piste, clairement pas. Mais ça vaut peut-être 16-25. 16-25, c'est... Oh, con, t'en es, tu mais ça change rien, ouais. Ouais. Ce qui me choque, c'est les équivalences. Putain, mec, pas mal, pas mal, pas mal. Et franchement, ça m'a pas trop dérangé le monde. Genre, ouais. Dans l'effort, je me disais pas dans ma tête, genre, oh, casse-couille et tout. Juste, j'avançais. Sans réfléchir. Putain, ça fait 3-14 sur la montre. Hein. Dans ma tête, c'est réussi, les gars. Mais donc, cool. Franchement, cool. 16-30, ça me paraissait. Après, c'est dans ma tête, je me mets des barrières. Mais en fait, c'est juste l'allure. Vu que j'ai pas fait de prépa, je connaissais pas l'allure. Alors là, je suis parti juste en mode sprint hein, au début. Ouais. En mode, bon, bah, on va voir où c'est l'allure à peu près. Ouais, et genre, du coup, j'ai mis 1 km à calibrer et j'étais un peu rapide. Et après, j'ai fait que ralentir. Deuxième PR en 2 semaines. Et là, on attend le troisième en 4 semaines sur 10 km de la Tour Eiffel. Ça va être pas mal. Hein. Ouais, ouais. Ça, c'est lit, du coup. Ah, je sais pas s'il y a des sas. Non, pour moi, déjà, c'est sûr que sur 10, tu fais mieux. Que 34-55 ouais. Ouais. C'est fou quand même. Parce qu'il y a... C'était quoi, il y a 3 mois, 2 mois. C'était il y a 2 mois, mec. 3 mois. 3 mois et je vais gagner 50 secondes. Si on en croit l'équivalence. C'est rapide, hein. Ah, tu vises un moins 50 secondes, en tout cas. Mais quand 3 mois, gagner ça sur. À ce niveau-là, entre guillemets, même si c'est pas un big level. Ouais, mais quand même. C'est pas mal, hein. Ouais. Enfin, après cette progression-là, tu vois, c'est pas comme si t'as commencé à 40 minutes, genre. C'était quoi ton premier 10K le temps? Officiel, genre sur une course, c'était 41-44. Ah, c'était ta première course? Ouais. Et sur. Ah non, c'était après le semi. Et toi, ton premier. Ma première course officielle, c'était le semi-marathon de Paris, 1h35,07. T'es chaud quand même. Ouais, franchement, j'ai un level de base. Ah, tu t'étais donné, j'imagine. Pas, ouais, 2 ou 3 mois, ouais. Mais bon, la prépa, elle ressemble à rien. Tu courais combien par semaine? 40, peut-être 45. Pas mal, en vrai. Ça donne grave, t'as raison. Parce que c'est en plus c'est une distance que j'avais faite. Enfin que j'avais pas fait depuis pas longtemps. Et là, même l'équivalence de ma, je pense, pire distance, elle est bien sur, sur 10 km. Ce que tu vises de base. Sachant que je pense que je suis meilleur sur 10 km. Mais en vrai, mec, c'est bien 16-27 là. Bah, du fou. Prévidote, je sais pas si c'est de la merde ou pas. Parce que là, apparemment, j'ai le même level sur 5 que sur semi, du coup. En équivalence. Ouais. Putain, j'ai le seum là un peu. Je crois que j'étais trop fort sur semi et tout. Dans ma tête, j'étais endurant plus que rapide et là, vas-y. Non, t'es... Pareil. Presque 19 sur 5 km, ça fait stylé. Ouais. Et 19, c'était ta VMA, non, non, t'avais 20 quasiment. 19,5. Pile 19,5, ouais. Je m'étais arrêté juste derrière. Tu te rends compte quand même? J'étais calme. Ouais. Genre 19, c'était chaud de fou. Là, t'étais casé à 19. Ouais, mec, big progression. Hein. C'était en juin. Non, en juillet même. Ouais, ah ouais, putain, mec, c'est fou, mec. En fait, c'est juste parce que je me blesse pas. Hein.
Ouais. Honnêtement, c'est juste parce que je me blesse pas. Bah, c'est beaucoup ça en fait, la progression. Parce que du coup, je peux juste enchaîner les séances. Faites pour toi en fait. Faites les séances, ouais, les bonnes séances, pas trop intenses. Du coup, je peux en faire beaucoup et je me blesse pas quoi. Putain, c'est ça le cheat code, hein. C'est pas se blesser hein, pour progresser. Ouais. Pas se blesser et s'entraîner. Ouais. Régularité, mais tu peux être que régulier si tu te blesses pas, ouais. Bénef, bon bah voilà. Fin de la vidéo, je vais me désechauffer. Et après, ça repart, mec. Là, demain, grosse soirée, mec. T'es chaud de venir, moi ? Mec, ça fait longtemps que j'ai pas fait de soirée et tout, là. J'ai envie. C'est important, l'équilibre. C'est ça le message de cette vidéo aussi. Buvez. Mec, il met toujours un message dans cette vidéo. Buvez, mais vous blessez pas. Voilà. Buvez et courez. Non, en vrai, c'est bien, s'entraîner, c'est bien et tout, mais faut vivre. Faut que je fasse la tête un peu. Faut pas être dans cette sinon angoisse. Mon gars à 35 ans j'achète des Porsche et tout, crise de la trentaine. Ou quarantaine, cinquantaine, toutes les crises. Faut juste dire aux gens de s'abonner. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Attends, je vous donne le micro. Test, 1, 2, 1, 2. Au cas où ça n'a pas fait le bruit. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Ton sérieux. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important.